Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une balade automnale dans Limeil-Brabant. Comment on retrouve ce chemin que je n'avais pas repris depuis la première vidéo. Alors, tout à l'heure sur la séquence que je viens de vous faire, vous avez bien observé sur l'arbre de gauche, au début de la petite vidéo, c'est un séquoia géant. Et oui, j'avais jamais fait attention que c'était un séquoia géant, parce qu'en fait, c'est quand je suis allé aux États-Unis que je me suis rendu compte que c'était que la taille du séquoia géant, et c'est après en revenant en France que là maintenant je comprends que cet arbre-là, c'est un séquoia géant. Et en fait, je viens de regarder, dans Val-de-Marne, il y a à peu près une soixantaine d'individus. Voilà, une soixantaine, d'après ce que j'ai calculé, à peu près 60, peut-être un peu plus. Mais voilà, à peu près une soixantaine d'individus présents dans Val-de-Marne qui ont été plantés dans des jardins d'agrément du 19e siècle, d'où leur taille actuelle. Mais il y en a qui ont été plantés récemment. Dans certains lieux. Donc voilà, peut-être un sujet d'une prochaine vidéo, les séquoias géants du Val-de-Marne, on verra bien. Il y en a qui sont accessibles, d'autres qui sont malheureusement pas accessibles. Donc on verra. Allez, on continue la promenade, on se dirige vers la coulée verte municipale de Limeil-Brabant. Et là, on est dans l'emprise des futurs travaux du téléphérique qui va passer par là, plutôt du télécabine. Voilà, différentes teintes de orange. Magnifique. On est jour de brocante à Limeil-Brabant. Et là, c'est des érables. Vous voyez, avec la brocante, les gens sont obligés de se garer ici, soit pour y aller, soit parce qu'ils vivent dans la zone de la brocante, donc ils ne pouvaient plus rentrer ou sortir de chez eux. Et voilà, cette promenade se termine dans le Limeil, cette balade automnale. J'espère que cela vous a plu. Moi, je vous dis. Ciao et à la prochaine.